Je suis un peu inquiet quand même hein, pour ce run. Généralement, je m'entraîne toujours, je fais un run d'entraînement. Là, j'ai juste fait 3-4 tours. Pépé, tu as mis le son. Y'a pas le son? Moi, je vois qu'il y a le son. Boum! Y'a le son là. Le chat! Y'a le son, vous m'entendez? Mais bien sûr que ça m'entend! Y'a le son, voilà, c'est encore un imbécile du chat qui raconte des bêtises, qui affabule. Voilà. Son du jeu très léger. Dans ton casque. Ah, mais non, mais t'essaies de me faire croire que j'ai pas préparé mon son, mais tu mens. Mon son est préparé. Son du jeu, du jeu. Mais comment le jeu est pas lancé? Comment tu peux savoir? Là là. Donc, ouais. Zéro entraînement. J'avais joué Gundabad il y a 3-4 versions du jeu. Donc je connais pas Gundabad en tant que faction. J'ai souvent affronté Gundabad, donc je connais leur roster d'unités, mais j'ai jamais joué Gundabad. Donc ça va être amusant de jouer avec Gundabad et je vais découvrir la faction. S'il y a des tips, je les prends. On va jouer en difficile, difficile, hein. Le très difficile gobelin, vous y habituez pas, hein. C'était un run un peu sado. Voilà, d'accord? Bon, Gundabad. Gundabad, donc normalement ils ont les trolls des neiges, terrifiants, Orc Avenger, excellente unité. Special feature, orc, la soumission des orcs. Donc quelqu'un m'avait dit qu'il y a toute une chaîne d'événements pour soumettre les orcs et récupérer des armures naines. Récupérer des armures naines. Ok, intéressant. Hard, hard. Écoutez, c'est parti. Hein. Let's go, hein. Gundabad. Hein. Très difficile bataille, oh ça va! Ça va, non? Très difficile, oh, et tu veux que je joue les yeux bandés aussi? Putain! Très difficile. Pépé, mets-toi en très difficile, là. Pépé, faudrait surtout pas que tu t'amuses, hein. Pépé, tu n'as pas le droit de t'amuser! Tu récupères tout le roster des factions méchantes, tu les annexes. Ah ouais? Ah, c'est fort. Alors, les orques des neiges de Gundabad, on va pas lire tout le lore et compagnie. Je commence mono-province. Généralement, il n'y a pas beaucoup de factions qui commencent mono-province. Hein. J'ai vu que Edwise aussi commençait mono-province. Il y a très peu de factions qui commencent mono-province, tu vois. Est-ce que je suis allié à Angmar? Parce que je vais pas vous le cacher, Angmar au début on va essayer d'en faire des potes, hein. Le temps de stabiliser le merdier. Ça c'est un espion, ouais c'est un espion. Donc là-haut il y a la forteresse naine, je crois que c'est Buzzadrum là-haut, quelque chose comme ça. Il y a quoi là-dedans? Ah ouais, Goblin Bodyguard, ok. T'as moi qui espérais qu'il y ait du léger, il y a du perce armure, il y a des crossbows, ça va! Ça va, hein. J'ai la chance d'avoir des forts. J'ai la chance d'avoir des forts, là, j'ai mon unité de faction. Il a pas comme unité lui. Oh, Orc Avenger, 128 Orc Avenger! Et mon chef de faction, il est aussi en Orc Avenger, il me semble. Ok. J'ai la chance d'avoir des forts. Là, j'ai 4 unités. Je vais pas attaquer tout de suite. Je vais utiliser les forts. Déjà, diplomate. On va commencer à faire de la viande. Quelques anti-armures. On va baisser les taxes. Hop. Et je vais profiter des forts pour construire des troupes qui seront gratuites en entretien. Voilà. Regardez que les rediffusions. Moins fun quand même. Bah écoute, Lucheria, j'espère que je comprends bien ton pseudo. Bienvenue à toi. Attendez, je vais baisser un petit peu son nasique. Hop. Voilà. Hop. Mon Gundabad a un super entretien gratuit. 6 ou 7 unités! Intéressant, 2 forts, 6 ou 7 unités. On a un plan. Bah, on va essayer de bouffer. On va essayer de bouffer les deux villes rebelles à côté, s'allier à Angmar, et peut-être aller attaquer Level directement, et commencer à sécuriser des provinces sur l'Anduin. Et mettre sur pied une petite économie, utiliser les forts. Le live, c'est toujours plus fun, mais c'est un luxe de venir en live. Tout le monde peut pas se pointer et venir en live, quoi.
Ce qui est logique, hein. Ok. On fait de la troupe. Impôt baissé. Vous savez, là, là, je vais carrément prendre. Il a qui, lui? Oh, il a des perchés. Mais pourquoi vous donnez des archers à des généraux? Ouais, bon, bah, tant pis. Vous savez que mon héritier et mon chef de faction et mon héritier, je vais les envoyer au combat. Eh, 128 Orc Avengers en early game, 21 d'armure, 15 de DPS. Ils sont terrifiants au combat, les Orc Avengers. Tu ne veux pas attaquer le nain bleu? Tu sais où il est, le nain bleu? Il est là-bas. Si t'as un escadron de tapis volants pour moi, je prends. Hein? Je prends les tapis volants si t'en as. Allez, normalement c'est bon. Je gagne de l'argent grâce au fort et à toutes mes troupes en entretien. Je gagne des sous. C'est parti! C'est pour ça que je vais pas faire chier Angmar au début. Je vais être très gentil avec Angmar pour pas l'affaiblir. C'est quand que les events arrivent? Quelqu'un connaît les events en termes de nombre de tours? À quel moment je vais être dos au mur par rapport à mes choix de jeu? Tu veux pas run Erebor, mais je vais... Tu veux que je fasse une run Erebor? Tu veux que je casse la figure d'Erebor? Tu veux que je souille Erebor? J'en sais rien. Je crois que ton chef de faction est pas l'entretien gratuit, c'est pas. Ok. Là, normalement j'ai mon diplomate. Je peux aller en un tour voir Angmar. Trade right. Alliance. Parfait, il accepte, c'est bon ça, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Je vais continuer à faire de la troupe. Il y a pas mal de T1 en face. Les archers là. Oh, ils sont pas dégueu là. Eh, hey, regardez les archers T1. 4 de dégâts. Face à la racaille en face, c'est parfait. Parfait. On reste comme ça. Et on va continuer de faire de l'argent. Eh, hey, je fais plus de 2000 d'incom. Je vais continuer à lever de la troupe, hein. Il me faut une petite armée conséquente pour pouvoir aller faire la guerre. Il n'y a pas de tour indiqué dans le guide des scripts, mais il faut qu'à chaque fois en construction. Ok. C'est un humain le chef dans le bar. Normalement, oui, dans le jeu. Gundabad est très très fort au niveau. Gundabad est une faction forte. Le problème, c'est l'économie. Le côté économique. Ah, il veut. Ok, bah écoutez, je vais aller faire des relations diplomatiques avec le Veil avant de les poignarder. Bon. Je considère que j'ai assez de troupes. Il est temps de rassembler l'armée. On va faire ça. Mon chef de... L'autre là, je vais l'envoyer ici. Chef de faction. Là, je vais perdre de l'argent pendant quelques tours, mais c'est pas grave. Voilà. Et on va aller attaquer Earlstone. On va aller attaquer Earlstone. Et vu que j'ai de l'argent, je vais lui payer le luxe de mettre un charpentier. Ah. Un sub Smoogie. 17 mois Smoogie. Attention, les archers coûtent un bras en entretien, t'inquiète. T'inquiète. Un bras, 300, ça va. Ça va. Merci, Smoogie. Merci beaucoup, mec. Oh, là, je perds 1500 d'incom. Hein. Dès que vous avez plus l'entretien, là, ouh, ça fait mal. Hein. Ok. Donc, il y a quoi là-dedans? D'accord. Là-haut. Burzakul, voilà, j'étais pas loin. Ah, d'accord, une garde de la montagne. Les rebelles, ils ont... Non, mais comment les rebelles, ils ont des gardes de la montagne? J'ai le droit à une explication avec de... Avec... Et... Graton d'argent, en plus, s'il vous plaît. C'est quoi, ces rebelles de zinzin? 26 de def? Ah, et ben... D'accord. Est-ce que mon chef de faction, là, il est perse armure? Ah non, mon chef de faction est en Uruk Pal, 24. Oh là là. Et les Orc Avengers... Ok, les Orc Avengers sont efficaces contre l'armure. Tour suivant. Je te cache pas que je préfère avoir des ports et être sur la mer. Hein. Là, c'est pas l'emplacement économique où je suis à l'aise. Hein. Mais les montagnes des Red Mitrine peuvent être riches. Allez, une épouse. Est-ce qu'on y va direct? Est-ce qu'on y va direct?
Allez, j'y vais. J'y vais. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Je vais faire la bataille. C'est parti. Les T2, T3 Gundabad valent quoi? Top tier. Excellent. Ils ont un très bon roster d'unités. T'as qu'à prendre Goblinton au Gobelin. Mais attends, t'as pas l'impression que j'ai d'autres cibles d'abord? Avant d'aller prendre Goblinton. Oh, parfait, j'ai le... Oh, j'ai... Je vais pouvoir venir me mettre ici. On va se régaler. Hein. On va se régaler. Voilà. On va avoir une très très bonne position de tir. Bon. J'ai du Perse Armure. J'ai de l'anticave avec la racaille là. Chef de faction. De la racaille. Voilà. Et de l'anti-armure que je vais garder en réserve. Allez, c'est parti. Normalement, l'IA, elle est un peu buggée sur ce genre de carte en plus. Let's go! Leur tier 3 de mid, ouais, bon, je vais pas attendre. Voilà, je suis pas sûr que je vais attendre. Hein. Y a pas d'elfe et du nether pour te cuck à répétition. Je pense que ça peut aller très très vite. Hein. Je pense que ça peut aller très très vite. Faudrait pas que Angmar s'effondre trop vite. Ah, je prends déjà la sauce. Zut, j'ai... Hop, on active le tir, feu à volonté. Oh, les crossbows vont être gênants. Les gobelins, ça va de quoi tout ça. Voilà. Les overseers, ils sont là-bas. Ça, c'est pour mon anti-armure. Voilà. On va amener les généraux. Voilà, on va commencer à encercler tout ça. Ça y est, mes archers, ça bat. Oh, le tir est merdique. Je me doutais que cette position allait pas être optimale. Je suis pas fan. On va plutôt essayer de tirer là-bas. Sur les crossbows. Il faut que j'aille intercepter les crossbows parce que là... Ouh! Non, non, va pas attaquer. Ne va pas attaquer lui. Je vais en... Mes deux généraux... On va tuer l'autre là, voilà. Allez, anti-armure. Et là, je vais taper dans le tas. On va taper dans le tas. Et là, on va utiliser le... Je vais utiliser mon héritier qui est anti-armure. Allez. Gobelin contre Uruk. Bon, au niveau des pertes, on l'éclate. Allez. Comme ça. Encercle-moi ça. Putain, si je perds mon héritier ou mon chef de faction, je vais être très très salé. Hein. Les Palerouks sont anti-armure, je crois pas, non. Par contre, ils font beaucoup de DPS, ils sont très très solides, ils sont très tanky. Là, il m'énerve, il m'emmerde un peu avec ses arbalétriers là-bas. On va essayer d'aller les choper. Par contre, attends, les arbalétriers, on est en train de les sabater là, avec mes tireurs. On va se focus dessus. Voilà. Couvrir mon chef de faction. Allez, ça tombe vite. J'ai eu la mission. Allez, le général ennemi, Afuera.
Ah ouais, on les découpe, hein. Oh là 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 là. Oh, ce que mes archers ont mis... ils rigolent pas, les archers gobelins, hein. Les archers orques, là. Les scouts orques de Gundabad, ils sont déter, hein. Ils ont mangé l'entièreté de l'unité de crossbow. Ok, on leur a roulé dessus, hein. On leur a roulé dessus. Assez indécent, ce qu'on leur a mis. On va attaquer, hein. On va attaquer, c'est parti. Je vais descendre mes archers. Allez, on mange tout ça. Oh, Nighty! Allez, toute la racaille. On va aller choper les archers gobelins. Et là, avec les Urukpal, on va aller dans le dos. On va aller dans le dos. Là, je prends mon héritier. On va encercler. Voilà, allez, on va les empêcher de tirer, les gobelins. Et ici, on va... Est-ce qu'on a un petit tir direct? Voilà. Une vraie armée sur le terrain. Même le T1 de Gundabad est bon, hein. Le T1 de Gundabad, là, les archers sont excellents. Ils ont des unités... Oh putain, ici, ça prend cher. Allez. Les Urukpal. On vient encercler. Les Urukpal, ils sont... Voilà, on s'affluit au contact. On s'affluit au contact. Magnifique. Allez, on pousse. Là, normalement, avec mes archers, j'ai un bon angle de tir. Ah non, non, j'ai pas la portée, d'accord. Allez, ici ça lâche. On est à 12% de perte, c'est plus qu'acceptable. Allez, vous savez que là, avoir du T3. Avoir 125 T3, vous devez les utiliser. Si votre général ou votre héritier reste en tant que gouverneur, c'est un échec. Il faut les utiliser au combat. C'est trop fort pour ne pas être utilisé. C'est des généraux incroyables. Allez, découpe-moi tout ça là. Ça va moi tout ça. Ouh là là, là-bas ça prend des pertes. C'est bon. Il reste plus que deux overseers. On va manger les archers. J'avais même oublié des troupes. Bon là, mes archers vont se régaler. Tire là-dessus. Ça, c'est anti-armure, faut faire attention quand même. Voilà, allez, on a tout mangé là. Je suis sûr que les deux jeunes. J'ai pas envie de tester parce que perdre un général bêtement. Parce qu'il a. Enfin, ça par exemple, tu vois, c'est de l'anti-armure cette merde là. Bah, ça, si tu fais pas attention, ça peut manger ton général par accident, tu vois. Allez, on s'abatte. Voilà, l'infanterie gobelin qui tombe. Là, on mange l'anti-armure. Là, on va se débarrasser de tout ça. Et on va être bon. Pas mal. 20% de perte, c'est plus qu'acceptable. Sachant que les pertes, il y avait une unité de lancier qui a pris très très cher. Ils sont découpés. Oh, ils sont beaux, là. Les Urukpal, regardez, pour ceux qui auraient... Pas suivi, mais les Urukpal ont 24 de def, 17 d'attaque. C'est un T3 brutal. Vous voyez, c'est ça. Les Urukpal, c'est du T3, ils sont... C'est brutal au combat. Je n'aime pas les affronter, les Urukpal. Si vous n'avez pas de perce armure, des arbalètes et tout, c'est des éponges à flèches. Allez, ça lâche. Bon, allez, si c'est bon. Les gobelins...
de ça. Voilà, un peu d'XP. Voilà. Parfait, 20% de perte, c'est acceptable. Ah, Legolas avec les roues pâles, ça c'est un régal, hein. Ça quand tu l'as. L'IA est un peu aux fraises. Pas vraiment. C'est l'IA de mettre 2 quoi. T'iras dire ça à l'IA des Dunedin. À mon dernier run gobelin. L'IA est aux fraises. Putain. Le spam infect qu'elle faisait. Ouais, pense à garder les capacités du jeu. Ouais, je garderai ça en solo. Les subs, Benoist, Benoît, merci mec. Allez, on l'occupe, hein. Tac. Hearthstone, on va baisser les taxes immédiatement. On va modifier la culture, quoi. Non, on va d'abord mettre un slave pit. Et là, on va prendre les archers. On va les mettre dans le fort. Je vais ramener les troupes qui ont pris cher. Et on... Hop. Et on gagne de l'argent, voilà. On a tout en entretien. Le but, c'est d'avoir toujours l'armée planquée en entretien et de construire. Parfait. Et est-ce que je peux recompléter mes pertes? Ouais. Hop, hop. Voilà. Excellent, ça. Excellent. Et après, je ferai transiter les archers et on va aller attaquer Burzakul. Tour suivant. Ah non, je devais aller voir le Veil pour faire du trade. Zut. Tu commences avec uniquement Gundabad. Ouais, tu commences en monoprovince avec Gundabad. C'est pas facile de commencer en monoprovince, hein. Et Hearthstone, c'est ma culture. 50-50, je crois. Et Hearthstone, c'était 50-50. Ouais, non. 33 et puis 70 du reste. 67. Bon. On va pouvoir prendre les armées ici qui sont recomplétées. On recomplète. Voilà. Ça. Ça. Ça va là. Je vais prendre mon héritier. C'est lequel qui est... C'est mon héritier qui est en Orc Avenger. Qui est en anti-armure. Ouais. On va prendre l'anti-armure. Tac. Voilà. Et on arrive à faire de l'income. Ça, c'est très très cool qu'on fasse un petit peu d'argent de poche. Le Veil, coucou, notre ami de toujours. J'ai honte. On fait de l'argent. Pour 752 thunes, je me prostitue, moi. Voilà. On va aller voir les gobelins. Tiens, les gobelins ont pas pris... je pourrais aller prendre Goblinton. Je pensais que les gobelins auraient pris Goblington tour 1. Mais il y a un monde où je vais prendre Goblington, hein. Pas sous siège. Je vais aller prendre Burzakul et je vais tenter la descente sur Goblington. Tu vaux plus cher que ça, Pépé. Non. Oh non. 750, c'est déjà très cher payé. Tour suivant. Quand tu les affrontes, ils ont plus qu'une première... Ouais, mais... Quand tu les affrontes en tant qu'IA ou quand tu les joues, c'est deux factions différentes, tu vois. Normalement, il y a un stack gobelin, mais peut-être que le stack s'est fait casser la gueule. Hein. Peut-être, hein. Fallout en watch party. Non. J'ai pas envie de regarder ça. Oh, un nouveau général. Ils sont avec quoi, les généraux Oh, ils sont avec des gardes de la montagne Eh, on peut dire ce qu'on veut, mais les généraux de Gundabad sont OP. Top tier OP, hein. Bon, là, je vais prendre mon chef de faction. Et on va préparer l'armée. Hop. Bon, malheureusement, je peux pas recompléter. Est-ce que ça suffirait pas de prendre tout ça, là? J'ai quoi? 4 unités. Il y a quand même du beau monde, hein. Il y a quand même du beau monde. Éventuellement, on va lever un petit peu de racaille. Voilà. Et on va dépenser de l'argent. Ah oui, j'ai oublié mes archers. Tour suivant.
Tour suivant, on va passer à l'attaque. Tour suivant, on va passer à l'attaque. Building ground, on va baisser les coûts. Voilà. On va aller voir ce qu'il y a au niveau intelligence. Mais j'arrive même pas à voir. Il a l'air d'avoir une sacrée armée à Gomington. Hein. Sito, ouais. C'est un poteau et ça va. Après, je suis allié avec Angmar. Mais c'est tentant pour l'argent en fait. Gomington est une ville très riche. Ça me lancerait mon économie. Ça me lancerait mon économie de faire ça. Et j'ai toujours besoin d'argent. Hein. Et je sens que cette faction va coûter cher. Tour suivant. On y va. De toute façon, la Watch Party, elle est supprimée, je crois. La Watch Party va être supprimée dans moins d'un mois, je crois. C'est la fin de la Watch Party, malheureusement. Donc ouais, je suis même pas sûr que... Voilà, quoi. Alors, ici. On va prendre l'armée. Comme ça. Comme ça. Et tour suivant. Tour suivant, on va aller faire le siège. La guerre est déclarée entre Isengard et la Lothlorienne, ok. Non, normalement, je dois perdre de l'argent. À peine. À peine. Et je me fais de l'argent. Je vais être gourmand. Gourmand et je fais le T3. Alors ça, j'ai honte. Hein. Le T3 des charpentiers en monoprovince. Je sors le T3 des charpentiers. J'y vais. Hein. C'est parti. Hein. C'est un investissement, d'accord. Les troupes du fort. À part les gardes de la montagne, qui vont être un problème à gérer, ça va le faire. Il y a les archers là qui vont être agaçants aussi, mais sinon c'est du T1. Rien qui ne soit pas gérable à mon niveau. Des Black Pit Archers, des Wargs, des Trolls. Ok, on va pas y aller tout de suite, hein. Écoutez, on va pas y aller tout de suite, hein. Ça va attendre un petit peu, hein. Ouais, malheureusement, même sur Kick, tu peux te faire copyright claim direct. Ok. Tour suivant. Tu peux tenter de l'acheter. Je crois pas que tu puisses acheter dans... je pense pas que tu puisses acheter dans Divide and Conquer. Dark Juris, je crois pas. Hein. Et j'ai pas l'argent. De toute façon, si ça coûtait, ça doit coûter très très cher de faire ça, donc j'ai pas les thunes de toute façon. Fornost est sous assaut, ok. Nouvelle mission, Woodland Realm. Oh oui, bah écoute, moi je vais aller voir tous ces gars là et on va leur proposer du business. Hein. Bon, salut à toi, jeune entrepreneur. On prend ça. Voilà l'armée. Est-ce qu'on n'attendrait pas en auto-battle au tour suivant? J'ai pas envie d'attendre 8 tours. Hein. J'ai pas envie d'attendre 8 tours et c'est une forteresse naine. On va la tenter en auto-battle. Si je prends des pertes, c'est pas grave. Si je prends des pertes, c'est pas grave. On recomplétera. Allez, on va installer Shrine of Melkor. On va continuer à les convertir. Voilà. Je perds de l'argent maintenant, mais c'est normal. Il est bon, ils sont bons les généraux. Ah ouais, regardez King Mazog. King Mazog, il envoie le pâté quand même. C'est pas mal. Pour nous la montrer. Ah non, 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 pour nous la montrer. Tu veux que je te la montre? Tu veux que je te la montre, Hector? Je te préviens, t'es pas prêt, hein. T'es pas prêt, hein. On va éviter sur Twitch. Mais on reparlera sur mon... Oui, on en reparlera sur mon OnlyFans. Je te déroulerai l'engin. Imladris assiégé, des bonnes nouvelles. Et on va le faire en autosave. Juste pour pas que je perde, mais j'ai juste pas envie de perdre mon héritier, mon chef de faction, d'accord? Non mais ça passe. Victoire claire. Ok. On la prend.
Tac. Voilà. Burzakul, c'est tombé. J'ai pas l'argent, malheureusement. Est-ce que je pourrais... Ouais. Hop. Parfait. On va immédiatement prendre... Est-ce que je peux faire ça? Carrément. Ouf. Je vais aller surveiller ce qui se passe là. Ok. Dane's Hall. Ouf. J'ai très envie de laisser les nains prendre Dane's Hall pour repasser derrière. On va rentrer à Gundabad, recompléter les pertes. Et normalement, voilà, on va faire un peu d'économie. Ça va nous mettre bien. Pas mal pour un début. 800 pertes, c'est acceptable, hein. C'est du T1 qu'on a perdu. T'as une chance que le nain mette 3 pompes à arriver. Bah écoute, c'est pas mon problème s'il a pas reçu le mémo. Hein. J'ai le droit d'avoir un peu de chance, non, parfois? Non? Hector, est-ce que j'ai le droit? J'ai le droit d'avoir un petit peu de chance, parfois? Je demande. Parce que bon, j'en prends quand même plein la gueule en ce moment, hein. Ça se passe pas bien avec Dolamrod. Pardon? T'es qui, toi? C'est qui, lui? Non, j'ai pas le droit, je crois. Je crois que j'ai pas le droit. Hein. Bon. On espère qu'il va pas m'attaquer. On va recompléter les pertes. On va prendre 3 unités, je vais les envoyer dans le fort ici. Oh là 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 là. Est-ce que dans le doute... J'ai mon chef de faction qui est isolé ici, hein. Est-ce qu'on ferait pas du... Non mais là, il aurait pu m'attaquer, il l'a pas fait, d'accord. Je vais considérer qu'il reste sur cette... Je vais considérer qu'il va pas sortir cette province. Il me semble que les rebelles sont scriptés sur une province, d'accord. Hein. On va... Là, le rebelle, il aurait pu attaquer... Ici, il l'a pas fait. Je vais supposer qu'il va rester sur cette province, d'accord. On va prendre le pari. Hein. On va prendre le pari. Et voilà. Et on va commencer à compléter les pertes. On fait de l'argent. Regardez, on fait de l'income. Allez, hut. On améliore tout ça. Tour suivant, c'est parti. Zut, j'ai oublié de réparer les bâtiments. Merde. J'ai fait un display. Bon, c'est pas grave. On espère que s'il pouvait aller taper le nain à la place, ça m'arrangerait. Hein. Bon, on fait de l'argent. Je vais aller voir l'elfe. Salut, camarade. Je suis une nouvelle faction qui veut faire des investissements. Hein. Voilà. Parfait. On va réparer les... Ok, parfait. Il n'a pas bougé. On répare tout ça. On va installer les bâtiments. Hop. On va continuer... à recompléter les pertes. Les 3 ici, ils vont aller là. Voilà. Et là, je vais prendre les clodos. Les mecs recomplétés. Voilà. On va faire du turnover de troupes. De manière à toujours équilibrer. Et on va commencer... Allez, Slave Quarters pour... pas mal. 3000 d'income. 3 villes, on pose des bâtiments. Ici je pose, ouais c'est bon. Et on recomplète les pertes. Pas mal. Non c'est bon, t'inquiète. Attends, c'est 4 par fort. C'est 4 par fort. Bon, on a réussi à lancer, à faire une petite conquête. Pour un début, c'est pas mal. On va garder un œil sur les halls de Dane.
Je vais recompléter mes armées. Je suis allié à Angmar. Et je vais attaquer le Veil après. Gérard. Minas Morgul assiégé, ça c'est pas une bonne nouvelle. Le Gondor sous stéroïde, j'aime pas ça. Bon, ça construit, parfait. Ici, on va continuer le recomplètement des troupes. Voilà. Et je vais peut-être même réussir à faire... Je vais peut-être même réussir à faire des économies. Hein. On va aller voir où en est le nain. Ok, ici le nain, il est là, mais je pense qu'il commence avec ça. Parfait. Et on arrive à faire quelques économies. Hein. On arrive à faire quelques économies. C'est bien. C'est quoi l'objectif avec Gundabad ? On va jouer, s'amuser un peu. Casser des bouches si on peut. Voilà. Ton général en archer. L'IA en difficile qui m'attaque. Et j'ai pas de garnison. C'est bête, j'aurais une garnison. J'aurais gagné. Écoutez, on va serrer les fesses et on va essayer de faire du DPS. Je contre-attaque dans la foulée. Hein. J'attaque dans la foulée. Hein. Oh là là. Ouais, pas besoin de trahir, c'est ça. Hein. Oh non, c'est les perses armures. C'est les javeliniers perses armures. C'est une catastrophe. C'est les javeliniers perses armure. Il va m'ouvrir. Missile cavalerie, je suis foutu. Non, c'est pas jouable. Il est en perse armure. Il a les javeliniers perses armure. Il va regarder l'IA. L'IA qui va m'encercler avec ses cavaliers. Je suis foutu. Ou alors il faut que j'aille au cac. Le plus rapidement possible. Ah, les javelots. Les javelots perse armure, ils sont terribles. L'IA qui joue bien, l'IA a très très bien joué. Regardez, je me fais éclater par les javelots. Cette unité, elle est excellente de... Cette unité du... Du Veil. Ok, si j'arrive à l'empêcher de tirer les javelots et qu'on les... Déjà, vu que je vais repasser par derrière, le but c'est de faire des pertes. Allez. Ok, ça c'est de l'archer, je m'en fous. Rien à voir avec Gérard. Au cac, je suis intestable. Regardez ce qu'on lui met au cac. Allez, si j'arrive à manger les unités, là, à faire des pertes, c'est parfait pour les unités. Je vais la reprendre, la mine. Là, ça m'arrange qu'il soit allé au caca, je vous cache pas. Regardez ce qu'on lui met. Et en plus, il fait du friendly fire, cet imbécile. Bon, je vais être encerclé. Ah, je vais être encerclé, c'est pas bon, ça. Aïe, aïe, aïe. Capitale, ça se joue dans... Ça va être très très compliqué. Je vais essayer d'en tuer le plus possible. Si j'arrive à me débarrasser des perses armures. Allez. Ça c'est du léger, je vais essayer de tempo. Allez. En plus là, il fait du friendly fire. Ça tombe bien, hein. Ça tombe, hein. Allez, plus que 9 dans l'unité, là. Oh là 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 là, comment ils tankent, mes mecs. Ils sont trop forts. C'est tellement fort, les gardes de la montagne. C'est du T3, ça, hein. Mais
considère, je sais, mais j'ai pas le choix. Oh là 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 là, le général. Le général, il est là. Ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Oh, le général qui met des coups de savate, vous avez vu ça? Non mais attendez. Eh, hey, on est en train de les exploser, hein. Au niveau des pertes, 40 à 30. Bon, j'ai pris 40. Mais rappelez-vous que c'est au début que j'ai pris des pertes. Oh, mon général, mais quel tchad. Allez, plus de 20. Vas-y, fais du friendly fire. Oh, bon, il faut pas que mon général lâche, hein. Allez, 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 allez. Oh, boum. Allez, boum, ça tombe. Il est dans le jaune. Vous avez vu Gundabad, c'est des terres, hein. On a mangé deux unités de cavalerie, hein. Qui auraient pu me dévorer, hein. Maintenant, il a plus de perce armure. Hein. Et mon général est derrière, c'est parfait. Allez, plus que 4. Voilà. Parfait. On va maintenant se focaliser sur... l'infanterie du Veil, ça va tomber vite, hein. C'est de la piétaille du Veil face à mon infanterie lourde, T3. Quand même, il y a aussi le chrono qui passe, il fait du friendly fire dans... Hey. Là, mon général est derrière. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Au niveau des pertes, on est à 54 à 41, hein. C'est compliqué, hein. Attendez, mais il n'y a plus que ça. Oh, je sais pas si ça se gagne. Je sais pas si ça se gagne, mais on va lui faire mal. Hein. Regardez la vitesse à laquelle son infanterie, elle tombe. On one-shot cette troupe quasiment. Hein. Oh, les 130, 20, 129. Oh là 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 là. C'est autre chose que les gobelins, c'est pas la même chose. Hein. Je peux te dire que c'est pas le même style de combat. Hein. Moi j'apprécie, hein, moi qui aime beaucoup l'infanterie lourde, Gundabad est une très bonne faction d'infanterie. Voir les généraux là qui découpent ça. Oh, les friendly fire qui fait. Ça tombe, hein, en face, hein. Allez, vas-y, du friendly fire. Faire tomber le chrono. J'ai essayé de faire du DPS là, qu'est-ce que tu crois que je fais? 106, on la tombe l'unité, hein. Allez, dans le jaune. Le fait qu'il fasse du free and fire. Regardez la vitesse à laquelle ça tombe. Il a pas de compétence. Oh, le free and fire, il me régale, hein. Je pense que je vais gagner. Je pense que je vais gagner cette bataille. Il est dans le rouge. Oh, le friendly fire. Il y a 70. Allez. Où est le général? Regardez les cavaliers. Les cavaliers. 56. Allez, on les tombe. On les tombe. Et le ratio 66 à 58. C'est compliqué. Mais ça tient. Il a arrêté de tirer là-bas. Ça va être difficile, hein. 22 à 178. Allez. 44. Une flèche. Donc moi j'aurais trahi personne, hein. C'est lui qui a attaqué. Hein. Allez, 30, ça tombe. 29. Il tire plus, hein. Visiblement il n'y a plus de flèches. C'est à lui de venir me chercher. Hein. Ça fuit. Ça y est, ça fuit. Désolé, Maxol Korm. Tu aurais pu te... Il a compris que tu voulais dire pute, mon automode.
Donc il t'a bloqué malheureusement. Moi j'attends. Il revient. Attends, hop, 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 voilà, allez, allez, on mange tout ça. Et j'attends. J'attends, hein. Je suis désolé, je joue le chrono. Hein. C'est à lui de venir me chercher, hein. C'est à lui de venir me chercher, hein. Est-ce que vous pensez qu'on peut le battre? Eh, écoutez. Fuck it. Je vais jouer le beau jeu. Allez hop. Allez. Là on les one shot hein, au combat. Les mecs sont en sang. Ça tombe, hein. Regardez, ça tombe, hein. Mon général. Il est là. Oh, mon général en première ligne. Oh là 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 là. Ok, mon général, c'est bon, il a... Allez, on pousse, hein. J'ai perdu un mec. Allez, il en a perdu 20. Si je perds mon général bêtement, je vais m'en vouloir. En général, bêtement, je vais m'en vouloir. 128, ils étaient 170. Regardez la vitesse à laquelle ça tombe. Hein. En x2 là. Allez. Il y a le capitaine qui est là. Regardez le capitaine ennemi. Avec la cape rouge, il est là. Le bug. 101, allez. 1 contre 10. oh là là, ça tombe chez moi. Ça tombe chez moi. 14. 13. Oh là là là, j'ai peur. Hein. 12. 11. Oh non, non, non. Allez, ça tombe, il est sous 70. Mon général. Non, c'est le général ennemi. C'est le général ennemi. C'est le général ennemi. Oh, il n'y a plus que 9 mecs. C'est... 7. J'ai peut-être à perdre. 5. J'ai très peur. Je suis à 1 contre 10. Hein. Ça tient, ça tient. Oh non, j'ai très peur. Oh, 4. Ça tombe. 38, 37. Oh là 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 là. J'ai plus que 3, je vais la perdre. Je vais la perdre. 30, mais allez. Fuyez. Ils ont perdu leur capitaine, mon général est toujours en vie. Oh. J'ai mon écuyer qui s'en prend plein la figure. Oh, j'ai perdu un garde du corps. J'ai perdu mon général. Qui disait que ça passait facile là? On a perdu. Tu aurais dû attendre. Ah ouais, mais faut jouer aussi. Faut jouer quoi. La poutre de Bamako a été bloquée par mon automode. La grille, la grille, la grille, la grille. Eh ouais, François, t'aurais dû fermer ta gueule. T'aurais dû fermer ta gueule. C'est pas grave, ça aurait rien changé vu que je voulais y aller quand même. C'est pas grave. On va repasser par derrière. On va envoyer la vraie armée. Eh, ils auront fait le boulot. Ils auront fait le boulot.
t'avais pas le droit de fermer ta gueule, puzzle de petit poussé. Hein? Dommage. Dommage! Pas passé loin, hein! Mais on aurait pu exploit et rester caché. On aurait pu. Mais voilà. Regardez, son armée, elle n'existe plus. Je la reprends à ce tour. Hein. Je la reprends à ce tour. Hein. J'amène chef de faction là. Et on va lui péter la gueule. Hein. Ou l'héritier. Hein. Ça va, toi, puzzle de Serekai. T'as le droit de parler. C'est puzzle de petit poussé qui a abusé de ma patience. Samedi soir. C'est pas grave. L'Itilien a été récupéré. L'Anduin prospère. Alors toi, Dale, 750 de thunes, je prends. J'ai désespérément besoin d'argent. Treadwright, voilà. Bon, ce n'est qu'un désagrément mineur. Je sais. Mais je veux faire ça. Voilà. Bon, il reste plus rien dedans, là. Il a réussi à avoir 117 mecs, quand même. Ça donne quoi? J'ai pas envie de prendre trop de pertes. 16. Parfait. Voilà. Je l'ai reprise. Voilà. Bon, j'ai perdu le bâtiment que je suis en train de construire, malheureusement. Je me dis que même pas. Je vais être gourmand. Il me faudrait un autre. Ouais, j'ai pas assez de droits. C'est très très chiant. On va faire ça. Toi, tu vas revenir à Gundabad. Et on va pouvoir te recompléter. Voilà. Burzakul. On va installer la hutte des charpentiers. Je fais des gros investissements. Alors. Ok. Pas de stack nain. Ok. On va retourner voir à Dane's Hall. Et on va... je vais... Ah zut, je peux pas. C'est pas grave, on va faire ça. Ok. Information diplomatique. Isengard est en guerre contre Edwais. Le Vel contre Gundabad, il m'a déclaré la guerre. Dol Guldur contre Dale, ok. Dol Guldur allié au Variag, ok. Construction des portes. Et tour suivant. Faudrait les mots généralement. Ça va, là, il s'est bien défendu, mon général. C'est pas passé loin, hein. Il me manquait 2-3 mecs dans l'unité et on était bon, hein. Voilà, hein. Ok. Bon. On va continuer à compléter les troupes. Voilà. Il y a quoi là-dedans? Un mec, au secours. Ici, mon armée, on va prendre ça et ça. On va rentrer à Gundabad. Là, on va amener de la viande. Et on va faire du turnover de troupes. Le but étant d'avoir toujours des troupes en recomplètement, en réparation. Et on va commencer, vu que j'ai 6000 habitants, à poser des bâtiments économiques. Faire un peu d'écho. Voilà. Et ici, est-ce que je serais pas gourmand? Toi, je pourrais rentrer. Et recompléter. 3 unités hors complètement. Voilà. Est-ce que j'ose faire... Ouais, non, mais il me faudrait mon espion. Il me faudrait mon espion qui est pas là. Pour voir ce qu'il y a exactement ici. Parce que là, il peut m'attaquer d'un coup avec une armée. Et est-ce que je pourrais pas faire... Attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Non, je vais pas jouer avec le feu. Quoi que si, rien à foutre. Faire ça. Watchtower, avoir un peu de map control. Et là, je vois qu'il y a l'air d'avoir rien. Donc je vais être gourmand, regardez ce que je vais faire. Ne faites pas ça. Non, je peux pas. Si. C'est pas bien de faire ça. Ça, c'est de la pure grid. Oh
en disant que là, si... Vous pouvez pas faire plus gourmand que ça. Juste pour avoir 4 unités. Eh, 4 tours d'income, c'est beaucoup. 4 tours d'entretien. 1 tour d'entretien pour 4 unités, c'est beaucoup. Je prends. Ok, il m'attaque pas, parfait. Il m'attaque pas. Je prends. Ok, Angmar, normalement on est alliés, hein, tu vas pas me faire un mauvais coup. Voilà. Bon, on arrive à construire. Grog, on va mettre des routes. J'ai pas envie de mettre de garnison. En soi, si, il me faudrait des garnisons. Hein. Il faudrait être safe. Voilà. Et là, avec mon espion. Pas de stack nain. Parfait. Je vais continuer à recompléter mes troupes en vue de la prochaine offensive sur Framsburg. Et on continue de construire du bâtiment. Voilà. Écoutez, j'arrive à faire un peu d'argent. J'arrive à faire un peu d'argent avec les impôts minimum. C'est toujours des Orc Defenders, les garnisons. Chier, j'en ai marre des Orc Defenders. Ils sont nuls. Most noble ally. Ils sont nuls à chier. Est-ce que j'ai une mission? Non, pas de mission pour le moment. On va filer. Peut-être que j'aurai une mission avec Dorvignon et le Gondor. Guerre déclarée entre l'Isengard et le Gondor. Ok, d'accord. Tour suivant. Bon, voilà mon axe d'offensive. Hein. Framsburg, Vrakiabourg. Hein. Deux villes avec des ports potentiels. Là, je suis gourmand et je fais de déco pour le moment. Ça sert à rien de faire des unités si tu peux pas les entretenir, même s'il y a l'effort. Heavy Infantry, ouais. Ils ont de lourd que le nom, hein, parce que c'est une espèce d'infanterie T1 dégueulasse. Hein. Dol Guldur. Dol Guldur qui pourrait faire un bon allié pour moi. On va aller voir Dol Guldur. Voilà, ration hut. Voilà, on va continuer. Ah, c'est vrai qu'ils ont des wargs, mais pff, pas trop mon... Ici, je vais rush les tiers supérieurs. Et on va... Moi, j'ai rien à recompléter là. Ouais, j'ai les archers. Moi, j'ai très envie de passer à l'attaque. Hein. Je vous cache pas que j'ai très très envie de passer à l'attaque. Hein. Je laisserai une unité d'infanterie derrière. Et après, on va attaquer... On va attaquer Framsburg. Hein. Regardez, il y a le mec là. Qui se marre. Et tour d'après, on attaque. Hein. Tour d'après, là... On va aller attaquer Framsburg. Ça me permettrait de sécuriser. De pas avoir. Ouais. Allez, je suis gourmand, c'est pas bien. Là où on construit. Ok. Et on est toujours en positif malgré que l'armée soit de sortie. Tour suivant. Ah, des renforts, fuck. Zut, des renforts. Enfer. C'est pas grave. Je pense qu'en un tour, je peux aller à Framsburg. Angmar, qu'est-ce que tu veux On a vu que Kerandros sous attaque, c'est une bonne nouvelle. Ici, je vais faire ça. Je vais laisser... Aïe, aïe, j'ai peur que... Est-ce qu'il y a... Ok, c'est bon. Parfait, on prend ça. Du perte, on exécute. Tour suivant, on arrive à Framsburg. Voilà. Parfait. Ah, une des charpentiers à Burzakul. Oh, je vais mettre le T3. Oh, je suis tellement gourmand, mais... Non. Allez, je m'en fous. Je suis trop gourmand. Dans la run PP, on verra.
la matraque de Bamako. Hein. On verra. Je suis trop gourmand, mais elle a... Non, je suis trop gourmand. Je suis trop gourmand. On va... Il me faut de l'argent. J'ai combien? J'ai 1018 habitants. On va commencer à essayer de booster tout ça. Et garder un peu de sous de réserve. On a déjà réussi à faire le T2, c'est quand même bien. C'est honorable. Zut, j'aurais pu avoir l'argent là. Ou c'est suicidaire. Vu que les garnisons de base sont extrêmement mauvaises, je prends le risque. Je garde un œil sur les nains. Et je prends le risque. La culture à Burzakul, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Déjà, je vais récupérer l'argent. Voilà, trade rights. Une alliance. Allez, allié à Dol Guldur. On prend. Et là, on va attaquer Framsborg. Ça se prend d'assaut. Hein. Ou alors on attend un peu. 8 tours. On peut essayer une bataille manuelle. Hein. Son général est nul. Et moi, mon général, le problème, c'est qu'il est... Oh si, il est pas dégueu. Il est pas dégueu. On fait de l'argent. Je continue de surveiller que j'ai pas de frontière avec le nain. Parfait. Tant que j'ai pas de frontière avec le nain, on peut spam. Tant que j'ai pas de frontière avec le nain, je peux spam l'income. C'est pour ça que je fais des bâtiments économiques et tout. Ça va payer. Ça va payer. Là, je gagne que 100 d'income, mais c'est pas grave. J'ai l'armée de sortie. On recomplète. Et on attaque. Ton général, il a une unité d'archer. Ouais, j'ai un de mes... Mon général de Gundabad a une unité d'archer. Vous avez vu comment l'income de Gundabad a monté depuis le début? J'ai commencé, j'étais à 1000 d'income. J'ai déjà pris 750 d'income en 18 tours. Ça monte très très vite, Gundabad, quand vous gardez les impôts bas. Les Nazgûl retournent dans le Guldur. Eh, cadeau, on prend... Bon. Ça passe ou pas? Il me dit quoi, là? Moi, je dis, ça se tente, hein. Victoire claire, sans s'en perdre, allez hop. Hein. On prend. Hop. Tac. Parfait. Ah ouais. Ah ouais. Attendez, mais j'ai une garnison T1. Attends, écoute, c'est une blague. Ah ouais, 3000. J'ai pas fait les améliorations, forcément. Il veut pas. Et ouais, je suis habitué à avoir le prix des améliorations. Écoutez, c'est un détail. Je vais prendre toi là. Ah, il veut pas, c'est pas possible. Attendez, si je fais ça, Watchtower. Objectif complet. I will only address you in battle. It will be an honor defeating you. Il y a du clodo. Est-ce qu'il n'y a pas des mercenaires? Pas de mercenaires. Bon. Ok. Non, je suis en difficile. J'aurais jamais mis 5 tours pour poser ma garnison. Par contre, vu que j'ai un peu d'argent... Je vais lever des troupes. Là, mon chef de faction aurait été pratique. Il me manque des généraux. J'ai pas assez de généraux, c'est terrible. Bon! C'est parti! Ah, Radagast qui vient me voir. Salut! Tu veux faire la paix? Non, il veut pas faire la paix. Ah, attendez, il va faire un énorme stack. Oh là là, oh là là, oh là là.
Tu veux pas te replier? Eh, hey, regardez ce bar là. Allez! Eh! Hey, il a eu peur de. Oh, il amène Béorn. Ok, il m'attaque pas. Il m'attaque pas. S'il m'attaque pas, c'est bon. S'il m'attaque pas, ça me va. Les skin changers, ça aime pas les archers. Le Veil, c'est pas les Dunedain hein, au combat. Hein. C'est pas les Dunedain. Hein. Le Veil ne fait pas si peur que ça. Oh, il me fait peur, lui, à chaque fois, là. Allez. Nouvelle mission, Vrakaber. Bah non, mais t'es gentil à me donner tes affreuses missions, là. C'est compliqué pour moi, là. Je vais amener de la viande fraîche. Comme ça, là. Hop. Voilà. Et... Oh, j'ai plein de bâtiments à faire. Heureusement, mon income boom pas mal. C'est de la bonne nouvelle. Les mines, elles coûtent un petit peu cher. Ration Hall. Et là-haut, je vais mettre le... On va continuer Self Quarters. Voilà. La culture, c'est bon, là-haut. Parfait. Vous pensez pas que Béorn, je peux le battre, là? Question bête. Est-ce que vous pensez pas que je peux me faire Béorn? Que je peux me farcir Béorn? C'est normal qu'il ait des archers T2. Il a des archers T2. J'ai combien de tireurs? 1, 2, 3. Ce qu'on peut faire... Ah zut. Si Béorn ne bouge pas au tour d'après, je vais l'attaquer, d'accord? Avec mon infanterie supplémentaire. Ah, les rebelles qui attaquent dans le dos. Aïe, 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 aïe. Le moment de solitude. Terrible. Faut le dégommer, l'ourson. Ouais. On va voir. S'il bouge pas, tour d'après, j'attaque avec mes renforts. Mais il a quand même des tireurs assez ennuyeux. Mais j'ai avec mes Avengers, ça passe crème. Oh, il fait rien. On va se partir. Dorvignon Avari, ok. Fenas Durin sous attaque. Bah écoutez, c'est parti, hein. Je la fais, hein. Je la fais direct. Ça c'est un cadeau, hein. Béorn qui est offert comme ça, moi je le laisse pas passer, hein. Je ne laisse pas ça passer, hein. C'est parti, hein. À la bagarre. Si j'arrive en plus, si je pouvais essayer de le bait sur le pont, ça serait superbe. Bon. J'ai quand même beaucoup de racailles, hein. c'est pas une armée d'élite que j'ai. Hein. Par contre, j'ai mes 104 Avengers, j'ai mes Perse Armure qui sont là, j'ai beaucoup de racailles. Un peu de tout, voilà. Regardez-moi ça. Ah, c'est du gibon, hein. Voilà. Est-ce qu'il va chercher à attaquer? Il se barre. Je peux aller provoquer un peu. Non, c'est bon. Oh non, ça tirait pas, c'est une blague. J'étais en cessez-le-feu. Quel enfer. Voilà, allez, on s'abatte. S'il prend des pertes, il va m'attaquer. On va essayer de faire un gros piège de... On va essayer de faire un gros piège de Chiltron. Et on va le bloquer dans des chiltrons. Parfait, allez, mange-moi tout ça. On a plus d'archers. Ça attaque. C'est parti. On attendait que ça. Super. On va. Non. Comme ça. Voilà. On va faire un énorme piège. Voilà, mon général. Comme ça. Je vais attendre. Oh ouais, magnifique. Allez, tire dans le tas. Je sais pas où est Béorn. Là.
Ah non, mais mes archers sont cap. Faut que je retire mes archers de là. Barrez-vous, j'ai fait de la merde. Tirez-vous. If we continue like this, we will smash the enemy. Ah, mais. Ah, fuis, petit, fuis. C'est une pente ici? Ouais, c'est une pente, excellent. Les archers, venez sur la pente. Voilà. Non, mais. Obéis à mes ordres. Allez, c'est au cac, c'est parti. Ah bah là, ça grouille de clodo, hein, ça sans aucun doute. Hein. Bon, il y a Béron qui arrive. Bon, mais Béron qui arrive. Ah, mes archers. C'est vraiment rien de lourdé. Allez, tape dans le tas. Ah, mes archers qui sont bien lents. Allez, feu à volonté. Ils sont déjà à 15% de perte, hein. On se régale. Hein. Voilà. Voilà. Allez. Béorn doit être dans le tas. Attends, il a 149 skin changer. Ah non, 62, j'ai eu peur. Oh, que j'ai eu peur. Ça tombe, hein. Ça aime pas les flèches, les skin changer. Hein. Donc là, oh, comment il mange mon. On va venir encercler tout ça. Voilà. Et là on s'abatte. Allez. Non, malheureusement je fais pas assez de DPS là. Allez. Tirez. Tirez dans le tas. À 160. Voilà. Ok, Béorn est là. Bien, ça fait ça. Voilà. Il fait mal quand même. Hein. Voilà, les archers se régalent. Les archers se régalent. Oh, Béorn! Oh, le Béorn, on va le choper. Alors, plus 25% en armée de combat effectivement. Ça, ça m'intéresse. Hein. Stun l'ennemi. Ah, la probabilité de stun l'ennemi, ça c'est cool aussi. Allez, on attaque. On attaque. On va les submerger. Les archers qui arrêtent de tirer, ça me fatigue. Allez. C'est pas grave s'il y a un peu de friendly fire. Voilà. Bon, Béorn, ça va tomber. Ça va tomber, mais ça fait du DPS, hein. Ça fait du DPS, Béorn, hein. J'ai peur pour mon. Oh là là, 30% de perte, ce qu'il me met avec Béorn. Non, mais c'est indécent, les skin changers. Je me rappelle plus que c'était aussi fort. Ça tombe. 35, 34, on les mange. Faut pas, j'espère que mon, faut pas que mon général soit en première ligne. Hein. Allez, on les croque. On les encercle, c'est parti. Hey, après avoir joué à Attila, regardez des vrais archers. Regardez des vrais archers. Et pas les espèces de machins là qu'on n'arrive pas à suivre. Comment ils ont pu régresser, quoi? À part fait d'aussi bons archers. Ça, vous y croyez? Oh là 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 là, Béorn, ils sont combien? C'est littéralement à côté. Il reste plus que. Non?
Allez, c'est en train de passer. Ils sont combien? Je trouve même plus de... Il est là, Béorn. Skin Changer, 3. Allez, ça lâche. Cessez le feu, vous avez fait du friendly fire. Et l'autre commence ses travaux, non mais c'est absurde. Alors chez moi, il est 7h, tu vois. Donc techniquement, il a le droit. Mais bon, faut pas abuser. Bon, Béorn, il doit être là, il doit être seul. Chopez-le. Ah, ça, une maison, ça serait incroyable. Mais je vais pas me plaindre, où je suis, c'est beaucoup mieux qu'avant. Genre, vraiment. Et c'est rare. C'est rare. Bon. Il reste plus que Béorn encerclé. On se débarrasse quand même du chef de faction. On l'a eu. On se débarrasse de Béorn. La facture de chauffage, ouais, ça en Islande, la facture de chauffage, c'est pas trop un problème, tu vois. Allez, là, ça va lâcher. C'est bon. Magnifique. On la prend la win là, parce qu'il y avait un. Il y avait une jolie petite armée avec Béorn. Il y avait des archers T2. Donc là, on fait une belle affaire. On a été opportuniste. Comme il faut. Qui coûte pas cher, en fait. Ouais. Là, dis-toi que j'ai mes lampes allumées, chauffage à fond. J'en ai eu eau chaude, électricité. Les deux ensemble, avec mes lampes à UV pour mes plantes. J'en ai eu pour même pas 30€, 40€ dans le mois. C'est pas grand chose. Hein. Allez, on exécute. Voilà. Bon, on a fait une bonne affaire. La garnison sera prête dans 3 tours. Guerre déclarée entre Lorient et Dol Guldur. Parfait, tout ça. Ici, on a un peu d'argent, on pourrait investir dans une grog hut. Ouh, on va bientôt pouvoir faire évoluer la ville. Hein. La ville, là, il me manque 9 habitants. Tour suivant, elle va évoluer. Je vais garder un œil, je le sens avec son marteau. Je le sens avec son marteau là-haut, il est presque à taper dessus. Hein. Ok, ici, tant que ça tient, il y a quand même une belle garnison ici. Hein. Il y a une belle garnison. C'est pas mal. On fait de l'argent. 2000 d'incom, on construit partout. Let's go. Je chauffe même pas et j'en ai pour 60€ par mois. Ouais. C'est... On est privilégié en Islande sur ça. On est privilégié. Base de l'OTAN, rien à voir. L'aluminium, rien à voir. C'est juste qu'on a de l'électricité pas chère et de l'eau à plus savoir quoi faire. Eh, Angmar est en train de bosser, vient de nous débarrasser d'Aragorn. Ça, c'est bon, hein. Ça, c'est bon, hein. Fenas Durin est tombé. Oh, les Dunedins ont perdu leur capitale. Mais qui c'est qui a pris la capitale, vous pensez? Les gobelins, Angmar? Attendez, je suis très sceptique sur... Enfin, on est quand même en difficile, généralement, c'est plutôt l'inverse. Moi, je dis les gobelins, hein. Oh, les gobelins. Les gobelins! Les gobelins ont pris la capitale. Oh, les Dunedins, c'est une catastrophe. Oh, c'est une catastrophe pour les Dunedins. Oh, bah écoutez, ça fait mes affaires. Hein. Avoir des factions du mal qui cassent quelques bouches, moi, je suis pas contre. Hein. C'est parfait. Hein. Et là-haut, on est... Écoutez, pas mal. Là, dans 2 tours, je finis ma garnison. Je vais me payer le luxe de faire ça. Watchtower. Voilà. Et on se replie. Et je vais être gourmand. Je vais prendre 4 unités, les 4 unités les plus faibles. Et direction Gundabad pour faire du turnover et recompléter des troupes.
Tour suivant. Les gobos sont très très forts. Ils ont cette face, mais Dol Guldur un peu pareil. Hein. Dol Guldur est aussi très très fort. C'est des factions, un peu zerg que j'appelle. Et pire, Dol Guldur, ils ont les Nazgûl. Ils ont Camul, ils ont le Sycophante là. Et en auto battle, ils sont intestables avec les Nazgûl. Kerandros sous attaque, on prend. Fenaz. Non mais allô, les Dunedain ont repris leur capitale. Bah ils ont au moins perdu Aragorn, ça c'est une bonne nouvelle. Allez hop, on complète. On va installer les tiers supérieurs de... Non, vous savez quoi, je vais être gourmand. Je vais installer des bâtiments économiques. C'est très gros, c'est de l'ultra gourmandise hein, ce que je fais là. Grog Hall. Hop. Dans un tour, je finis ma garnison. Ah, ici, il faudrait... Ouais, 84. On fait de l'argent, hein. On arrive à faire un peu d'argent de poche. Aïe, 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 il y a une nouvelle armée qui arrive. Mais dans un tour, avec ma garnison supplémentaire, ça va nous mettre bien. Tour suivant. Le stack de secours du Neda. Ah, il a un stack de secours quand il perd sa capitale, le Neda. C'est fat, ça. Très OP, parce que les stacks du Neda, au secours. Hein. Du T1 du Neda, ça vaut du T2, T3 gobelin. Hein. Allez, sympa la garnison. C'est de la merde. C'est du gobelin lourd dégueulasse. Les Orc Defender, je déteste. Je suis allergique à cette unité. Ici, on va commencer à se mettre en chemin. Allez, on complète les pertes. Bon, là, il y a un stack qui arrive. Ah non, mais c'est pas possible qu'il y ait des Beer Warriors. C'est du T3 ou T2. Il a déjà du T2, tour 24, mais c'est quoi ce bad? Je suis dans la crotte, là. Parce que les Beer Warriors, je peux pas... Ils sont ingérants pour moi. Et là, je suis bien loin. On va faire de l'anti-armure. Mais... On va faire des bâtiments pour recompléter sur place. C'est du T3, ouais, c'est ça. Ah bah, bon courage, hein. Il y a quoi d'autre dans cette armée de la mort, là? Ok, il n'y a que du T1. Ça va. À part... non mais les Beer Warriors, mais c'est pas possible. Comment il a ça? Comment il a ça? Aussitôt. On m'explique? Pas de général. C'est sa seule bonne unité. Il me fait pas peur. Il me fait pas peur. Je vais avoir quelques archers. J'aurai la garnison. Voilà, on va temporiser le temps qu'il faudra. On va temporiser le temps qu'il faudra. On va faire quelques troupes de renfort. Et il m'a pas encore attaqué, donc on a de la marge. Ouais, et 3 argent en plus. Est-ce qu'il va attaquer Framsburg? Je pense que oui, hein. Il doit être en confiance. J'ai quand même un bon général, il y va. L'IA est déter. Clac, c'est parti. Et tu vas défendre la ville. Ouais, on va utiliser les tours de la ville, hein, sans scrupule. On va défendre très bas. Je me rappelle de Framsburg, je sais comment je vais la défendre celle-là. Non, 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 il lui reste encore Anuminas. Il lui reste 4 villes quasiment au Dunedin. 4 villes et Aemetraeth. Dorvignon qui resplendit, pas une bonne nouvelle pour moi. Bon, ici, on a des renforts qui sont prêts. Hop là, on va les envoyer. On va continuer à recompléter les unités. Allez, on pose les bâtiments, le tiers supérieur. Et là, à 3000, on va commencer à faire des unités militaires pour recompléter les pertes. Bon. Sachant qu'il a déjà des unités qui ont pris des pertes, comme ici, 63, 91, ça c'est des unités qui ont déjà été endommagées au combat. Il a des... les Greenwood, non mais c'est pas possible. Vous savez que ça, normalement, il... Ouais, putain, c'est absurde. Ok,
Ok. Let's go. PP Master Noob. 6 caves, tant mieux, la cave qui vienne. La cave qui vienne, j'ai pas mal d'anti-caves. Je vais mettre des chiltrons et tout. Il va prendre cher. C'est des elfes. Ouais, normalement, c'est une unité. Il me semble que les Greenwood, tu peux les avoir que quand tu prends Dol Guldur. Ok, il attaque pas. Je vais venir me mettre comme ça. Et j'aurai les renforts qui arriveront pendant la bataille. Par contre, je fais peut-être une bêtise. On verra. Bon, là, j'ai un nouveau général. Yes! Ça me libère des troupes supplémentaires. Toi, tu vas aller recompléter. Toi, tu vas aller là-bas. Voilà. Ici, on recomplète. Les archers. Parfait. Il m'emmerde là. Ok, il a fini ses armes de siège. Normalement, à ce tour-ci, on va avoir la bataille. Comme d'habitude, je suis gourmand. Hein. Je suis gourmand à mettre des bâtiments éco comme ça, mais... Là, il faut que j'aille prendre Vrakaberg, mais j'ai pas les moyens d'aller prendre Vrakaberg. Je manque de généraux. Hein. Je manque vraiment de généraux, c'est quoi, c'est compliqué. Hein. Tour suivant. Non, c'est une unité de son roster. Hein. Ok, il attaque. Non, ça c'est... Oh, il attaque mes renforts, c'est ce que j'avais peur. Il me fait comme avec le gobelin. Je vais refuser la bataille. Et je me replie. Comme ça. Voilà. Oh merde. Ok, il attaque pas. Parfait. Parfait, j'ai levé le siège et je vais pouvoir aller dans la ville. Oh, l'escroc. Oh, l'escroc. Eh, écoutez. Voilà, c'est de sa faute, hein. Moi, je vais pas forcer à attaquer les renforts, hein. Ouais, c'est coquille, hein. C'est coquille, hein. Hop là, voilà. Parfait, et on peut même... Voilà. Et, bah, on va continuer à développer, hein. On va continuer à développer. J'ai accès à une garde... Oui. Allez, hop, c'est parti. Ça, c'est un général, hein. Ça, c'est un nouveau général. Je prends, hein. Et maintenant, on va pouvoir, au niveau économique... Oh, je suis gourmand. Est-ce que je débloque les... Il me faut quand même un petit peu plus de troupes, là. 4000. Je connais pas les scripts avec l'anneau. Je vais mettre des mines. Là, le fait que j'ai posé le T3 de construction avec les charpentiers... Les bâtiments vont très vite à construire, 50% plus vite et coûtent moins cher aussi. Donc il va falloir que je surveille là-bas. Bon, le Veil. Qu'est-ce que tu fais, le Veil? Est-ce que t'es gourmand? Est-ce que t'attaques? Gundabad, ça va vite. Ben, on a commencé monoprovince et on a déjà récupéré 3 provinces, tour 27. On a lancé l'écho. You will get 3 turns to bring the ring to Moranon. If you do not bring that time, you will keep it and every good faction declare. Ah ouais, tout le monde déclare la guerre à... Oh, ce serait incroyable. Ok, les rebelles. Parfait. Le Veil qui m'attaque pas, ça m'intéresse au plus. Fornos vient de tomber. Eh, ça sent pas bon pour les Dunedain. Ça sent pas bon du tout pour les Dunedain. On va pas se le cacher, hein. Allez, là, maintenant, je vais... Vous savez quoi, j'investis maintenant, hein. La guilde des charpentiers, c'est parti. La guilde des charpentiers, je fais 2500 de thunes. Là, j'ai des mines. Là, je suis en train d'installer un baraquement. On va pouvoir recompléter les troupes ici. J'ai un général en construction. J'ai un général ici en construction qui pourra venir en renfort. Et avec ce général, on pourra éventuellement relever mon chef de faction. Et mon chef de faction... Il pourra venir pour aller attaquer de l'autre côté là-bas. Est-ce que j'ai envie d'avoir une frontière avec les nains tout de suite? Je pense que non. Est-ce qu'on n'irait pas plutôt attaquer Maetelbourg? A
Je voudrais bien faire copain-copain avec les gobelins. Faut que je trouve les gobelins. C'est toujours les rebelles ici? C'est toujours... Goblinton, ouais, c'est toujours les rebelles. Enfin, je pense que c'est les rebelles. Ouais, c'est les rebelles. Tour suivant. Vas-y, tire-toi. Il n'ose plus m'attaquer à Framsburg. Les renforts ont été déterminants. Je vais pouvoir continuer à recompléter mes troupes. J'arrive à faire de l'argent avec mon armée sortie. Pas dans les forts, donc ça c'est une bonne nouvelle. T'as déjà une frontière? Où ça? J'ai une frontière avec les gobelins. Parce qu'il a pas Goblinton. Hein. Le gobelin, il est là et j'ai pas de frontière avec lui. Hein. Guerre déclarée entre les Two Landings et Ned Weiss, ok. Bon, vivement que j'ai mon T1 ici. Ici, on construit. Ah, parfait. Là, j'ai 1400 habitants. On va pouvoir installer des bâtiments commerciaux. Je ne cache pas que j'ai pas envie d'affronter ça. Mon général arrive quand? Dans un tour. Tour suivant, mon général. Et mes mines aussi. Là où je fais mon... ma guilde des charpentiers. Et là, je finis ça. Parfait. Tour suivant. C'est chouette de ne pas faire du tower defense, là. Ona, Zalkal, c'est Ona. Oulala, là, il va attaquer maintenant. Là, il va attaquer avec ses renforts. Ok, ça me va. Ça me va, comme ça, je pourrais contre-attaquer dans la foulée avec mon nouveau général. Je prends, ça me va très bien. J'ai une garnison, les renforts sont passés. Bon, le problème, c'est que je perds des tours d'income. Ça, c'est le souci. Pour l'instant, j'ai pas de frontière avec, avec les nains. J'ai pas de frontière avec les nains. La colère de Kend, ok. Allez, on fait un petit peu de sous. Mon nouveau général, regardez comment il est beau. On va l'envoyer directement là-bas. Et là, mon chef de faction va aller reprendre le commandement de l'armée. Voilà. Et tour suivant, on prendra le général, mon chef de faction et tout ce petit monde. Et on se préparera à passer à l'attaque. Gundabad, bah, moi je vais rush les tiers supérieurs. Hein. On va rusher les Black Shield des compagnies. Hein. C'est parti. Hein. 4 tours, ça va vite. Hein. Le fait que j'ai réussi à placer mon T3 des charpentiers, ça me met extrêmement bien. Oh, si j'ai pas imposé le T1, au secours. Ok. Tour suivant. Je suis parti full neutre avec Alliance. Mais j'ai pas encore eu les events, figure-toi. Ok, bataille. Non, ça c'est Radagast qui vient faire son numéro de cirque. Il va sûrement attaquer au tour suivant. Je sais pas trop ce que je vais faire encore. Hein. Rumeur de Eredluin. Osgiliath sous attaque. Information diplomatique. La guerre a commencé entre le Dorvignon et le Rune. Et Dorvignon et Dol Guldur. Ici. Ça passe pas, malheureusement. C'est pas grave. Ah là, on a un tour, on a fini ça. Bon, on va avoir une grosse bataille. Le T3 ici me fait peur, mais j'ai de l'anti-armure, j'ai de la troupe, je fais de l'argent. On est pas mal. Tour suivant. Ok, bataille. Il n'y a pas de général. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ok. Allez, c'est parti.
C'est parti. On va essayer de la gagner proprement. Oh, c'est pas la carte que j'espérais. C'est pas du tout la carte que j'espérais. Par contre, il y a... La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une seule entrée et une seule sortie. On va pas faire une petite zone. On va essayer d'avoir la pente pour moi. Oh là là, comment je joue ça? Je déteste. C'est la pire carte. C'est la pire carte. Comme ça, on va essayer de faire un gros pâté. Un gros pâté. Comme ça. Je pense que mes archers peuvent tirer par-dessus là. Si je fais comme ça. Enfin, je sais même pas si ça passe. Hein. Oh, si. Ouais. Si je les mets comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser rentrer. Et là, mes archers auront un tir direct sur eux. S'ils sont sur la pente comme ça. On va faire comme ça. On va essayer de rentabiliser mes archers au maximum. Hop. Là, j'ai mes garnisons qui vont venir sécuriser les flancs. Voilà, ils seront là pour tanker. Et là, j'ai ma racaille. Je vais garder mes unités anti-armure quand j'aurai trouvé leur T3. Voilà. Le chef de faction va rester en réserve. Et là, j'ai de la racaille. Là, j'ai mon machin. Racaille. Voilà ma formation. Tout est là. Défendre sur le point central et mettre les archers sur les côtés. Non. Je me dis que là, il y a... J'espère que la strat est bonne. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. On va éviter de fixer. Comme je dis... Oh yes. Il a... Non. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont, ces T3? Non. Bah alors, je suis aveugle. Normalement, ils ont des belles armures, les... Ils ont des belles armures, les T3. Bon, je les ai pas vus. Garnison en première ligne. Ah bah, c'est le but. Regarde, ils sont en première ligne pour venir charger les flancs. Ils ont le bélier. Non, le... Ah si, ils ont le bélier, bien vu. Ils ont le bélier. Que du bonheur, ils vont rentrer en premier. On va pouvoir mettre... Je vais amener l'anti-armure en première ligne. Voilà. Oh la sauce que je prends. Oh la sauce que je prends. Il y a beaucoup de tireurs dans cette armée. Oh mais ce que je prends. Oh. Non mais on les perte, les archers au secours. Infernal. Je me suis fait savater hein. Ah il a beaucoup de... Il y avait beaucoup de tireurs. Où est-ce qu'ils sont tous ces tireurs? Ah ouais, missiles. Ah ouais, les Green Foresters, les Greenwood. Allez, rentre, gamin. Je t'attends. Allez. C'est parti. Ils sont là. On les a trouvés. Oh, mais ils sont 24. Ils ont déjà pris plein de pertes contre Dol Guldur. Ils sont que 24. Bah ouais, on avait pas le même chiffre. Ils sont que 24, mais c'est bon. Regardez-les, ça aime pas les flèches. Eh, ma strat était bonne. Elle est bonne, ma position de tir, là, regardez. Eh, on a bien utilisé le terrain. Parfait le tir. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Bon, là, on va se régaler. Ils me font pas peur. Ils sont plus que 16, on les a déjà éclatés. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'avais peur qu'ils soient tous là, mais non. Allez, ça va comme ça. Parfait. Toi, tu vas aller l'attaquer. Ils sont plus de 15. Et là, tu me fais un tir direct là-dedans. Sur cette racaille-là. Voilà.
Ah, j'ai déjà pris plus de pertes, hein. On va se calmer quand même. Bon, après, c'est mes garnisons qui ramassent. Hein. Voilà, et ça, ça va. On prend quelques pertes quand même, hein. On prend quelques pertes, ce qui est logique. Allez. On va pas les sous-estimer quand même. Hein. 11-11. Les archers font un très très bon boulot là. Je vais envoyer mon général sur les Beard Warriors. C'est déjà dans le jaune. Hein. N'oubliez pas que vous avez pas de général. Hein. Le Veil sans général. Il y a l'armée qui arrive en renfort là-bas. Il aura encore. Oh, il y a beaucoup de viande. Hein. Oh là 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 là. Mais c'est pas de la qualité. Allez, les archers qui se régalent. Là, ils sont plus que 9. En fait, je pense qu'il a eu cette unité dès le début, les Beard Warriors, et que ça s'est battu contre Dol Guldur, et qu'il est... il a pas... il peut pas les recompléter. Vous voyez ? Il n'a pas pu les recompléter, ce qui fait que bah, ça a peut-être fait quelques batailles, et bah, ils étaient plus que 20. Allez, tape dans le tas, là. Voilà. Parfait. 14 à 22, on est en train de le croquer. Le but, c'est de prendre le minimum de pertes, comme ça, je pourrais contre-attaquer dans la foulée. Voilà, 25% de perte. Là, ils sont plus de 3. C'est peut-être eux qui ont mis une raclée au Nazgûl, absolument. Il y a un Nazgûl qui est retourné à Dol Guldur. C'est pas impossible que ça fuit déjà. Ça fuit déjà. On va pas trop avancer parce qu'il y a leur renfort qui arrive et j'ai envie de le laisser rentrer. Voilà. Je vais rentabiliser mes archers. Parfait. Voilà, allez, suis-moi. Suis ma garnison. Pas un problème que ce soit eux qui aient mis une branlée au Nazgûl, hein. Je pense. Hein. Allez. Pareil, repliez-vous. Oh, magnifique. Ça aime pas les flèches, hein. C'est pas bon le Veil, hein. Moi qui étais habitué, je vous cache pas que j'ai été habitué au Dunedain, là. Vraiment, j'ai été habitué au Dunedain. Quand vous affrontez le Veil, il y a quand même un côté chill, hein. C'est pas les mêmes bonhommes, hein. C'est pas les mêmes, hein. Je peux vous le dire, moi. Ok, ça arrive. Ça arrive. Oh, les javelots. Dans mon général. Les javelots. Les javelots perce armure. Eux sont extrêmement gênants. Maintenant, je vais attaquer. Hein. Maintenant, je vais attaquer. Allez, full attaque. Voilà. C'est parti. Ça fuit à 79. Regardez les prisonniers, ça va monter. Les prisonniers, ça va monter. J'espère qu'on va faire une panique générale. Les archers, c'est le feu. On va faire un petit soin. Allez, c'est parti. Ah. Les Skuta, ils sont forts. Ouais, ils valent 300 d'entretien quand même. Gundama n'est pas une faction de chip-chip. Hein. Oh, regardez, ça fuit, mais il est bloqué. Ça fuit, mais il est un peu bloqué. On va lever les chitrons. Voilà. Et on va essayer de les submerger, il n'y a pas de général, ça peut tomber très très vite. Hein. Les prisonniers. Oh là 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 là, oui madame. J'ai quand même pris 26% de perte.
On n'a pas eu leur capitaine, malheureusement. Oh, y a des UT qui fuient à 140 hein. Vous allez voir, les prisonniers, à un moment ça va monter, on va se mettre bien. Ça se passe comment ce début de run? Plutôt pas mal! On a perdu un général bêtement, on a une bataille que on a été trop gourmand, qu'on a perdu et une ville et le général qui va avec. Mais à part ça, ça se passe pas trop mal. On a réussi à lancer le run. Au niveau économique et tout, je me bats contre le Veil. Le Veil qui m'a honteusement trahi. Hein. Le chat le confirmera que c'était mon allié, on s'entendait bien. Enfin, mon allié. Et il m'a backstab. Et on les mange, mais ça tombe, hein. Il arrive à tenir, mais c'est pas possible. Et là, on fait des prisonniers. Allez. Dingue ça, 70% de perte, ça veut pas fuir. Écoutez, je suis très content de cette bataille. Tiens donc, Max, mon automate t'a mis la main dessus pour misogynie parce que tu as dit salaud. Ah, il a pas aimé, hein. On peut même plus insulter les traîtres. Et non, mon automate ne tolère pas ça. Malheureusement. Alors t'as pas beaucoup d'income et de troupes, mais t'as l'avantage d'avoir des forts. Non mais c'est quoi cette défense quoi? T'as l'avantage d'avoir Gundabad qui est parfait pour les garnisons, tu peux mettre 6-7 unités dedans. Et t'as aussi deux forts. Tu veux que tu peux avoir des troupes dès le début et les mettre dans les forts et faire... Par contre mon général il me fait... il prend cher là, au secours. Hein. Non mais c'est quoi ce moral là? Il a aucun général, rien. Bon, je prends pas tant que ça de perte. Hein. Oh, hey, 160 prisonniers. Est-ce qu'on rançonnerait pas? Question bête. Tiens donc ces bâtards, Bourgandine. Mon automode dit que tu es un misogyne. Est-ce vrai? Ça lâche, ça lâche. Non mais incroyable, les pertes que j'ai pris. Faut pousser les gars. Faut pousser là. Allez, 85% de pertes, je suis surpris qu'ils tiennent aussi bien. Gourgandin, ça passe. Visiblement, oui. Gourgandin en singulier passe, mais pas Gourgandine. Ah, mon automode qui ne s'adapte pas au chat et à l'intelligence de Pyrrhus. Bon allez, faut me les manger à un moment. Faut me les manger. Bon, c'est ma garnison qui a pris beaucoup de pertes. Hein. Incroyable, je suis surpris par le moral. Hein. Après, j'ai pas tué un seul capitaine non plus. Hein. Il y avait deux capitaines. Un capitaine. C'est un capitaine, mais regardez où il est. Dingue. Là, c'est bon. Et regardez les prisonniers. Est-ce qu'on ne rançonnerait pas? Oh ben, soyez pas cons, arrêtez de jouer avec l'autobot. Ah les enfants! Bon, j'ai pas de cavalerie, ça sert à rien de poursuivre. Attendez, elle est gagnée la bataille là. J'ai eu le message hein. J'ai eu le message hein. Non, mais des fois je lis en même temps, je vois pas ce qui se passe, vous savez. Il y a du jet lag un peu, ouais. Un petit peu. Ouais, j'ai le message. Victoire claire. On a eu que 300 pertes, donc, dont la moitié c'est de la garnison. Moi je dis c'est bon, hein. Bonne victoire, hein. On va pouvoir recompléter parce que j'ai fait une caserne. Et avec mes renforts, je vais pouvoir marcher. Sur quoi je marche? Est-ce que j'ai envie d'une frontière avec les nains? J'ai pas envie de voir un gros stack nain arriver à une frontière.
Je voudrais avoir être un peu plus balèze avant ça. Je pense que je vais partir vers le sud. L'élite de Twitch, ouais, c'est plutôt l'élite, hein, vu certains. Hein. L'élite de Twitch, hein. Allez, non, que 900, j'exécute. Allez, on va passer. Bon, bah, je vais aller. Vous savez quoi, je vais attaquer. Hein. Vers le sud. Finkelkraut, non, mais ça va, je sais même pas qui c'est, cette espèce d'affreux là. Avec un nom comme ça, non, merci. Hein. C'est du clodo, c'est vrai que c'est du clodo T1 qui vaut pas cher, donc forcément dans les rançons, c'est pas intéressant. Bon. L'Ithilien est attaqué, ok. C'est le Mordor, la contre-attaque du Mordor. Je vais prendre mon espion et je vais voir ce qu'il y a au sud. C'est du clodo, hein. C'est du clodo, hein. Il faudrait que je... Ah, j'ai même pas les... J'ai pas la culture. Putain. J'ai pas la culture. On va attendre un petit peu. Je vais attendre un petit peu et je vais faire des tours de recomplètement. Je vais faire des tours de recomplètement à Gundabad. Je vais prendre tout ça, là. Et je vais aller recompléter l'armée à Gundabad. Voilà. Et Burzakul. J'ai réussi à passer mon bâtiment. On va faire de l'Incom. Et Hearthstone. Et Hearthstone. On pourrait installer une caserne pour recompléter aussi. Hein. Spam le recomplètement. Hein. Au niveau de thune, on est pas mal. Hein. Deux armées au sud. Ah ouais. Très envie d'aller me frotter au nain en ce moment. No fool, send your emissary. Le plus tard sera mieux, mais au moins je devrais y aller. Mais là, je suis encore en train de faire de l'Incom, je suis en train de encore de faire mes, de poser des bâtiments militaires et tout ça. Donc, on va attendre un petit peu, on va recompléter. Voilà. Il y en a qui pourraient être détruits. Ok. Il y a les bâtiments uniques de, il y a peut-être les bâtiments uniques de Vale, c'est ça? Comment ça se passe? Ça se passe pas mal. On a commencé en monoprovince sur Gundabad. Eh, vous avez vu mon income? On a triplé l'income de Gundabad depuis le début. J'ai commencé à 1000 d'income, je suis à 3000. Intéressant, les bâtiments. Je fais que de déco à Gundabad quasiment depuis le début. Hein. La ville est très très rentable. Hein. Depuis que j'ai mis les mines aussi, oh là là. C'est vrai que se concentrer sur le Veil peut être intéressant. Hein. Bon là, je vais aller recompléter l'armée. Et ça va me permettre aussi de gagner pas mal d'argent. Oh, regardez, le régal. Voilà. Tac. Et là, au niveau income, ça monte bien. Alors, on m'a dit qu'il y avait à Framsburg des bâtiments du Veil à dégager. Stronghold. Ah oui, en effet, la pierrerie que je peux virer. Voilà. Et aussi, la Watchtower. Ah, ça, je peux pas. On peut pas détruire les Watchtowers. Vous saviez ça? Il est considéré comme bâtiment indestructible. Pas d'elfes et de vénins agressifs, ça fait drôle, hein. Ça fait drôle, hein. Quand j'en ai tellement bavé avec le gobelin, que là, j'ai l'impression que c'est facile. Vraiment, j'ai l'impression que c'est facile. Ce qui n'est pas le cas, attendez, hein, c'est pas fini. Hein. Il y a encore l'elfe sylvain et tout, il y a du beau monde, mais là... Alors toi, Clem, là, merci pour tes beats, merci pour le scare jump, hein. Oh, la vache! Je l'ai pas vu venir, celui-là! J'ai bondi de ma chaise! Augmenter le nombre de commerces. Je travaille dessus, mais j'ai aussi la culture, l'armée à faire. C'est compliqué. Merci, mec. C'est compliqué de tout augmenter en même temps. Mais on fait de l'argent. On fait de l'income, et ça c'est une bonne nouvelle. Je fais tellement d'income que je vais prendre l'héritier. Je vais mettre une tour, une watchtower juste là. Et une autre là. Ah, je peux pas. Tant pis.
Est-ce que vous pensez que là, il va essayer d'aller attaquer... À un moment, il y a quelqu'un qui va venir s'empaler sur Gobbington. Je pense que l'IA, là, il va essayer d'aller attaquer Gobbington. Moi, pour l'instant, je consolide. Je suis pas là pour aller faire le kéké contre les rebelles, contre des gros stacks rebelles. Je vais laisser l'IA contre les gros stacks rebelles. Moi, pendant ce temps-là, je vais renforcer, Lincoln, développer, et la bagarre. Pourquoi tu ne baisses pas ce leçon? Parce que je suis stupide et fainéant. Est-ce que ça répond à ta question, Max? Radagas qui traîne dans les bois près de Framsburg. Je te le choperai, lui. Difficile ou très difficile? Difficile, comme dit Pyrrhus. Très difficile, c'est un petit peu trop dur pour moi quand même. C'est, j'ai pas le niveau, je suis pas assez opti pour faire du très difficile, très difficile. L'Ithilien est tombé, bonne nouvelle. Tant qu'ils peuvent se mettre sur la tronche là. Ici, on va garder un œil là-dessus. Là, je vais aller. Hop. Watchtower. Parfait. On rentre à Framsburg. Et là, j'aurai les bords. Là, je vais rusher les temples. Je vais rusher les temples. Gundabad, je vais continuer à recompléter. Et regardez, j'ai accès au Black Shield. Excellente unité. Les T2 de Gundabad sont très très forts. Par contre, ils coûtent cher aussi. 22 de def. 20 de def. Là, avec Shield Wall. Là, c'est juste de l'offensive. Bête et con. Hein. Juste de l'attaque. Aucune qualité. C'est boum boum. Et voilà. Mais je vais pas faire des T2 tout de suite. Les trolls. On va privilégier l'économie pour le moment. Les armures aussi. Les armures, l'économie. Ici, pareil. Là, je vais mettre une garnison. On va commencer à prévoir contre le nain, peut-être. Ok. Et toi, là, je vais prendre les unités qui ont été recomplétées. On va aller à Hearthstone. Et de Hearthstone, après, on ira les mettre au fort là-bas. Et là, on va continuer tranquillement à recompléter. Et bientôt, mon armée sera prête. Et on pourra tenter d'aller aller prendre... Oh, je sais pas ce que je vais aller prendre, hein. C'est compliqué. Hein. Tu penses que t'es en... Ouf, je sais pas. Maitelsburg me fait de l'œil. Le problème, c'est que si je prends Valkyrburg, je me retrouve avec une frontière avec le nain. Et je veux pas ouvrir un second front avec le nain. Mon pire cauchemar, c'est de voir arriver stack nain après stack nain. Et je peux pas les gérer au niveau qualité militaire. Le Veil est une proie facile. Et je peux manger dans le sud, sachant que ça m'a aidé dans le Dol Guldur aussi. Éventuellement, je vais aller essayer d'aller taper Maitelburg, qui va être une ville riche. Et peut-être qu'à un moment, je vais avoir une opportunité d'aller prendre Gobbington, tellement ils auront mangé la garnison. Hein. Ça se tentera. Hein. Gobbington va tomber. Bah écoute, si c'est Angmar qui prend Gobbington, moi ça me déplaît pas non plus. Hein. Angmar pour le moment c'est mon copain. Moi ça me va. Hein. Ça m'aurait plu que Eredwin backstab. Après, tant pis. Hein. Ça change pas grand chose. Hein. Voilà. Bon, ici, je vais prendre cette armée-là. Comme ça. On va prendre ça et ça. Et tour suivant, on va se mettre en route pour le bled là-bas. Oh là là, j'ai... Il me faut des espions supplémentaires. Il me faut une taverne ou quelque chose. Voilà, il me faut un espion supplémentaire pour pouvoir changer la culture plus rapidement. Il me faut des espions. Il me faut des espions. Il me faut des espions. Et toi là, ah, les archers. Les archers qui sont à la traîne. C'est quoi ce qui arrive? C'est du clodo. Ouf. Ça, c'est du T2 par contre. T2. Les shieldbearers, ils rigolent moins. 20 def, c'est pas les clodos.
Il y a des hobbits aussi. Non, mais les hobbits, au secours. Ouais, il y a deux. La course pour Gobbington. On est tous à lorgner un peu sur Gobbington. Gobbington est incroyablement riche. Hein. C'est pour ça que Gobbington, moi, je voudrais bien mettre la main dessus pour des raisons financières. Hein. C'est beaucoup d'argent, Gobbington. Hein. Est-ce que Gobbington apparaît dans les livres? Dans le Hobbit? Et dans le lore aussi un peu. Oh bah moi on va être opportuniste, hein. Si quelqu'un m'offre une opportunité d'y aller, moi je fonce, hein. Bon, le problème là, c'est que il y a deux énormes stacks. Je peux pas y aller, hein. Il y a deux énormes stacks, je peux pas y aller, moi. Pff, les hauts elfes. Oh mais non, je peux pas. Je peux pas traverser les monts brumeux. Oh, quelle mission affreuse. Je peux pas attaquer avec Might Elberg, hein. Est-ce qu'on prend le risque d'aller se fâcher avec les nains? De toute façon, les nains, je vais leur taper dessus, que ce soit à un moment ou à un autre. Salut, Lucia. Bonne soirée. Je vais arrêter aussi, hein. Ça fait 2 heures. Je vais arrêter aussi. Vous savez quoi? On est là pour jouer. Hop. On va récupérer un bout de l'armée. Comme ça. Ouais, c'est du clodo. Watchtower. Et je vais tenter ma chance. On peut la prendre en un tour, hein. Il n'y a pas de mur. Allez, j'y vais. Hein. Rush Bairnhall, ouais, t'es mignon toi, Bairnhall. Ça me met en frontière avec les elfes. Et pour Rush Bairnhall, après, ça me met en frontière avec les nains. C'est plus compliqué que ça, hein. La payer de sa vie, ouais, ça va. Ça va, tranquille. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Allez. Hutte des charpentiers. Je suis en train de faire d'énormes investissements économiques, hein, avec les huttes des charpentiers, tout ça. Ça va être profitable. Hein. Tout ça va être profitable. J'ai fini ma boucherie là? Non, c'est le tour suivant. Allez hop. Bon, dernier tour. Dernier tour. Que va faire le Veil? Attendez, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Hein. S'il faut que j'envoie peut-être un ou deux renforts. J'ai peut-être été un petit peu gourmand. Je vais faire du T2. Je vais lancer deux T2 en production. Avec les elfes, non. Oui, mais je vais bétonner. Et on va essayer, on va faire. Est-ce que je suis en guerre avec les nains? Question bête. Je suis en guerre avec les nains? Personne qui veut prendre Goblinton. En guerre automatiquement, ce qui est un peu logique, hein. Il y a quoi là-dedans? Ça va, j'ai pas trop peur. Je vais quand même prendre dans le doute. On va faire ça. Voilà. Ça passe crème. Est-ce que ça passerait pas en auto-battle? Non, je vais pas faire l'auto-battle parce que j'ai quand même des archers et tout. Oh, c'est qu'il a une. Il a une garnison aussi, hein. Fuck. Il est plus balèze que prévu. Je vais faire des T2. Je vais lancer des T2. Il faudra 2 tours pour les faire, malheureusement. Je peux faire un espion? Non. C'est fort dommage, ça. Attaque de nuit. Ça change rien. Ça change rien. Il n'y a pas de renfort. J'ai très envie de la tester, hein.
Ouais, non, mais non, il y a trop. Je vais attendre. Je vais attendre. Et s'il venait à m'attaquer, je lâcherai l'affaire. Il y a combien de tours de siège? Il y a que 5 tours. Si on peut lui faire un peu mal, on va surveiller un peu ce que vont faire toutes ces armées. Et là, regardez, je guette. Vous voyez? Je vais construire du bâtiment. Le donjon. On va mettre des armureries. On va mettre des forges. Voilà. Des camps d'archers pour recompléter. C'est osé, hein. On dirait un frère Bogdanov. Ah ouais? Non, ça va. Il est plutôt beau gosse. On dirait Aragorn Wish. C'est Aragorn Wish. Tour suivant. Ah, j'avais dit dernier tour. Bon, tant pis. Maintenant, c'est le dernier tour. Il va sûrement venir m'attaquer, là. Il va sûrement venir m'attaquer, là, mais je suis confiant en def. Tant qu'il n'amène pas de général. Pas de général et du T2, T3. Le Veil. Oh, il attaque même pas. Le Veil. Sir Galadriel. Ton héritier, Pépé, c'est bon, c'est bon. Héritier, chef de faction, pour moi, c'est les mêmes au niveau punch. Le seul avantage, c'est que l'héritier est en perse armure. T'as une garnison à Framsburg? Ouais, j'ai une garnison à Framsburg. Allez poser la garnison. C'est pour ça que je suis confiant. J'ai quand même une jolie petite troupe à Framsburg. C'est lui le Bogdanov, dites donc. Ok, Andro, c'est tombé. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Quoique, pas trop si je veux me farcir le Mordor. Oh non, mais. Mais mon héritier, c'est pas Bogdanov, regarde. C'est pas Bogdanov. Pff, aucun goût. Encore un rageux, ça. Un jeu de chat. Ok, ok. Écoutez, 4 tours, on va tranquillement le forcer à faire une sortie. Il y a des renforts qui arrivent. Il va lui falloir 2 tours pour venir, on va faire 2 tours d'attrition, et après s'il m'attaque, on lui cassera la figure. Bon, pas mal. Bonne première session, je pense. Hein? Affistion, aïe aïe aïe. C'est compliqué dans la brotte, hein. C'est compliqué dans la brotte. Mais j'ai quand même hâte à la prochaine session. Session 2, Gundabad. Pas mal, pas mal. On a bien commencé, tour 38. Un petit toggle faux pour... Kerandros qui tombe aussitôt, par contre. Ouf. Il y a une Nazgûl. Oh là 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 là, c'est pas bon signe pour le Gondor, ça. C'est pas bon signe. Pas bon signe pour le Gondor qui s'est fait dégager. C'est compliqué pour Dol Amroth. Oh, ça c'est terrible là. Mais attends. Ok, l'énorme armée de bandits. Et comment ça se passe? Écoutez, là, le Dunedain s'est fait casser la figure à Fornost. Angmar est pas mal, hein. Angmar est pas mal. Le Dunedain a été pas mal affaibli aussi. Tant qu'ils se mettent sur la figure, moi ça va. Elrond qui se balade. Et là, il n'ose pas attaquer à Goblin Town. Kames Brin, c'est vrai que c'est pas facile à prendre ça en early game. Il y a des trolls et tout en défense. C'est des bourgs qui sont très durs à prendre. Et là, il y a encore pas mal de terres libres, donc forcément, il se... On est en early game, hein. Le jeu est assez slow, en difficile, à 38 tours. Il y a encore pas mal de terres libres. Là, pareil, il reste encore des terres... Oh, le nain. Alors, le nain, ça donne quoi? Je vais en profiter du... Mais le nain, il n'y a pas grand-chose, hein. Bon, il y a quand même une... Général, mais voilà. Oh, il y a du monde chez le Veil là. Et Dol Guldur, ça donne quoi? Ça pousse un peu Dol Guldur ou ouais, c'est pas brillant Dol Guldur. Hein. C'est pas brillant. Bon, je m'arrête là. Demain, en début d'après-midi, je ferai du Panzer Corps. En soirée, on aura Warbird HS sur les paras japonais. J'ai plein de belles photos sur les paras japonais. Pendant une guerre mondiale, forcément. Et sinon, bah c'est déjà pas mal. Les plannings sont à jour. Et bah passez une bonne semaine. Et puis peut-être à demain. Et passez une bonne soirée. Allez, ciao, ciao. Salut tout le monde. Bye bye.